Allez, salut tout le monde, c'est Tazer Récupération, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 380 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 380 de ce Let's Play. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait tout simplement terminé d'explorer pour le moment les hauteurs Gerudo. Il nous manque tout simplement plus que cette zone là, mais qu'on explorera quand on aura découvert la prochaine zone. Et la zone qui est un petit peu en bas, pareil, on fera quand on aura découvert la prochaine zone. Et du coup, les amis, aujourd'hui, nous allons tout simplement nous attaquer à la prochaine zone et on va aller droit devant. Donc, notre objectif est de se rendre tout simplement dans les créatures divines. Donc, on va écouter, on va y aller. Et puis voilà. Donc, je pense qu'honnêtement, on peut y aller. J'espère qu'on va pas se faire défoncer par un bol d'arcor par exemple, ou quoi que ce soit. Mais je pense que ça peut bien se passer. Par contre, j'aimerais bien activer ma tour. Je vois pas où elle est, la tour Sheikah. La tour Sheikah, je sais pas du tout où elle est. Attendez. Ok, elle est là-bas. Est-ce que... Bon, je sais ce qu'on va faire. Vous allez voir, on va faire la chose intelligemment. Alors, je voulais pas faire de sanctuaire maintenant, mais... Tant pis. Là... Ah mais du coup pour la voix ça va être compliqué hein. Mais bon, on va faire finalement le sanctuaire qu'elle a. Et avec le sanctuaire qu'elle a... Ah oui, je crois que il me semble dans cette... ici, pour éviter d'avoir froid, si je dis pas de bêtises, il faut se déshabiller. Et voilà, pour éviter d'avoir chaud, pardon, il faut se déshabiller. J'espère que en se déshabillant on mourir. Ah si, on meurt de chaud quand même un peu. C'est un peu chelou quand même, mais bon, écoutez, on va essayer de faire ce sanctuaire, d'accord, et comme ça après on ira activer notre tour directement. Sanctuaire de Gucco Cheese. Let's go. Cité Gerudo. Ok. Let's go. Putain, j'avais pas prévu de faire un son. Oh putain, la voix de Kinescusa, comment tu veux que je la fasse avec la voix comme ça? On va essayer de faire ce que je peux, hein. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Gucco Cheese te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. 5 de fer, sanctuaire de Gucco Cheese. Ah, je peux pas faire plus, hein, je suis désolé. 5 de fer, oh mon dieu. Comment ça, 5 de fer hein? Oh putain, je viens de comprendre ce qu'il faut faire. Super, bravo Azurek. T'es très intelligent. Et si on... Non, si on marche dessus, ça, on ne prend pas d'électricité. Je viens de comprendre ce qu'il faut faire. Excusez-moi. Covid. Ok, donc en fait il y a 5. Il y a 5 pièces différentes. Ah là là. Eh ben dis donc. Ah, je suis désolé, hein, je le fais pas exprès. Hein. Eh ouais. Ça d'être covidé. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne comprends ce qu'ils vont faire ici. Faire ça comme ça.
Excuse me. Et voilà. Ah. Eh ben bien. Ah, je suis désolé, hein. Vous voulez un plateau d'huîtres? Faites appel à moi, les gars. Oh putain, ah ouais, non, mais là vraiment, c'est pas glamour. Oh my god. Épée électrique, 22 d'attaque. Cette épée magique qui aurait été forgée par les éclairs des collines d'Hyrule paralyse les ennemis quand ça l'imbrie d'une lueur dorée. Durabilité plus plus. Ah, super. Tac. Alors, le coffre et les contacts. Certainement parce que c'est du fer. Donc, écoutez. Voilà, on va le prendre. Et après, il faudra essayer de faire ce côté-là. Donc, on a encore quelques trucs à faire. Oulala. Attendez, est-ce que par hasard, est-ce que j'ai... Ok, j'en ai fini à l'école, donc il n'y a plus de coffre. Hein. Bon, maintenant, il faut arriver à aller là. Non, ça servira à rien de faire ça, Drake. Déjà. Allez, d'accord, je viens de comprendre. Déjà. Ok, non, pas ce côté-là, mais. Il nous faut les. Ça. Ah, donc, désolé, il faut pousser à la réflexion. Là, le cerveau, comme je. Vu que je suis covidé, j'ai pas trop envie de réfléchir, mais. Il n'y a pas le choix. Voilà, ensuite. Voilà. Je rappelle que le coffre est aussi contact. Voilà, donc tu déplaces le cube de l'autre côté. Oh, what the fuck. Et voilà! Il ne manquera plus que le dernier cube et ça sera bon. Tac. Alors vous me permettrez. Non, il n'y a rien de spécial à faire ici. Hein. Bon, du coup, bah. On va devoir faire ça. Voilà. Et ensuite, on va devoir prendre ce cube-là. Et l'amener avec nous. Ah, alors pour qu'il soit en contact, bah écoutez comme ça. Et voilà, on a réussi. On a réussi. Ouais, du coup autant pas se mettre à poil. Même si bon, il faudrait une tenue peut-être de chaud. Je sais pas, il faudrait qu'on en arrive à avoir une tenue de chaud. On va essayer de faire comme on peut. Hein. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Oh, je suis désolé, hein. Emblème du triomphe, ces épaules des hommes d'accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger de ta quête. Pour les prochains sanctuaires, normalement ma voix sera beaucoup mieux rétablie. Donc je pourrai en effet pousser un peu plus la voix. Enfin, l'imitation là. Les amis, c'est exceptionnel. C'est louche. Oh, voilà le un visage inconnu. Je peux t'aider, jeune homme? Tu mates? Mais pas du tout, tu te trompes. Je suis un marchand, je suis même le chef d'une caravane. Nous sommes venus de si loin pour finalement nous apercevoir que la cité était interdite aux hommes. Les gardes ne veulent vraiment pas nous laisser entrer et nous voilà bien embêtés maintenant. Et donc, je n'ai pas le choix. Tu mates? Non, et je mène l'enquête. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé toutes les infos dont j'avais besoin pour infiltrer la cité Gerudo. Quelle info?
Et je veux te faire part de ce que j'ai trouvé, tiens. Voilà, ça fait bien une semaine que je suis arrivé ici. Je ne compte plus les fois où j'ai essayé d'entrer dans la cité et que les gardes m'en ont chassé. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai appris qu'un homme avait réussi à s'infiltrer dans la cité malgré les gardes. Il semblerait que ce soit un marchand qui fait la navette entre la base Sar Asek et la cité Gerudo. Alors, je l'attends. Oh, infiltré de la cité des femmes. Le bazar à sec. Ok, alors je sais ce que c'est le bazar à sec. Mais par contre, du coup, j'aimerais bien activer notre tour. Ah bah du coup, non, vu qu'on fait un truc par épisode, la tour, ce sera peut-être pour les prochains épisodes. Allez, migrants. Savak! Ne me dis pas que tu as traversé le désert Gerudo à pied. Si, si. Ça a dû te faire une belle trotte. Nous autres Gerudo avons l'habitude d'utiliser des morses de sable pour nous déplacer dans le désert. Je m'appelle Fressa, je tiens justement une boutique de location de morses dans la cité. Mes morses sont domestiques, alors tout le monde peut les conduire facilement. Si tu as des questions à propos des morses de sable, viens me voir, je suis une véritable spécialiste. Morses de sable. Je n'ai jamais pris en photo. L'entrée très classe, comme il dit, morses de sable. Le bazar à sec. Je vous avoue que j'ai peur du Mole d'Arcor. J'ai une phobie de des trucs comme ça. Je sais plus où il est le bazar à sec. Il est en bas, non? Non, il est à droite. Il est, je crois, si je dis pas de conneries, il est quelque part par là, si je dis pas de bêtises, non? Il est quelque part par là. Oh non. Oh non, 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 monsieur, laissez-moi tranquille. Alors, il y a des korogus et tout, mais on récupérera quand on aura activé notre tour. Par contre, je sais plus où il est le bazar sec. Ça va poser problème si on ne sait pas où il est, hein. Après, je me suis dit, mais au pire, il y a le. Enfin, je me dis, il y a le sanctuaire à côté, on peut activer la tour. Ah mais la carte va être brouillée là, non? C'est le bazar à sec ça? Je sais plus. Ah si, c'est le bazar à sec, non? Je sais pas. Alors ça a changé, mais... Oh putain de merde, il m'a fait peur cet enculé. Oh, je viens d'avoir la trouille de ma vie de la créature divine. Oh. Mais je t'ai jamais fait de mal. Je sais plus où il est le bazar à sec. Ça me... Rien qui vaille. Putain, ça craint, on y était dans Tears of the Kingdom, quoi. Le bazar à sec. Alors là, je vois Mole d'Arcor, je me TP direct, hein, je vous le dis clairement. J'ai pas la foi, j'ai pas du tout l'envie d'affronter un Mole d'Arcor et ni envie de. Il est là le bazar avec. Putain de merde, je viens d'avoir la trouille! Putain. Je viens d'effectivement d'avoir une trouille, mais une trouille rare, hein. C'est ça le bazar sec. Ça, le bazar sec. Corse et morceaux de sable. Ah, super. C'est pas ça du tout. Filmen est vraiment du mauvais poil. Reviens plus tard si tu veux me prendre la course, d'accord? Il s'est passé quoi?
Ça se voit, non, regarde un peu plus loin que le bout de ton nez. La créature divine est si agitée qu'on ne peut pas organiser de cours de sable, de morse de sable. Ça me dérange pas qu'elle se balade, mais qu'elle le fasse un peu loin, par pitié. Course de morse. J'arrive pas à croire que tu connaisses pas les courses de morse des sables. Tu sors d'où? De la grotte? C'est un sport traditionnel Gerudo. Le but est d'atteindre l'arrivée le plus vite possible avec un morse des sables, tout en essayant, en ayant passé chacun des arches. Mais avec cette créature divine qui traîne dans le coin, impossible de courir. C'est qui elle? À quoi j'ai bien entendu elle? Tu ne connais pas la grande géniale extraordinaire Fimène, champion du monde de course du morse des sables? Si seulement cette créature divine n'était pas là, elle pourrait te montrer ses talents. T'es qui? Pour ne rien te cacher, je suis celle qui a élevé Fimène au rang des champions dans les courses de morse de sable. Cette petite a toujours été timide et je suis le seul qui a ouvert son cœur. J'ai pas raison, Fimène? Mais oui, je suis bien Fimène. Ça brise la morale de ma petite protégée, ça se dit divinité protectrice, on aura tout vu. Patouche, seul le challengeur qui possède le titre peut poser la main sur cet objet de valeur inestimable. Alors on ne s'approche pas. Ok. Eh bien c'était Gerudo là. Mais attendez, mais on n'a pas évolué. Mais je comprends pas, elle est où le bazar à sec? Je sais plus où il est le bazar à sec. Hein. Il est où le bazar à sec? Si, le bazar à sec, il est à droite. Hein. Il est clairement là-bas. Hein. Attendez, mais je lis pas la quête principale, mais putain, mais... Oh, tuez-moi. La cité Gerudo pouvant interdire aux hommes aurait été infiltrée par une personne du sexe masculin. Cette dernière se trouverait au bazar à sec. Mais bazar à sec, il est où ton bazar à sec? Je sais plus, moi, il est où ton bazar à sec? Non, il y a une genre de grosse... De gros truc. Ok. Y a pas de bazar à sec à l'horizon. Oh le bâtard. Elle est là, la créature divine, oh putain. Ah super, il fait froid maintenant. Super. Ça a rien. Je sais pas où il est le bazar à sec. Ah mais non, mais à la droite le bazar à sec. Moi je dis que je crois qu'il est là le bazar à sec, si je dis pas de conneries. Ben en fait il faut se taper à la tour. C'est bien ce que je dis. On va essayer d'aller TP à la tour. Putain, ça craint. On est passé dans beaucoup de... Ah bon, je suis désolé, c'est la fatigue. Peut-être dans une période différente, en dehors du Covid, je m'en serais rappelé. Mais là, je vous avoue que je m'en souviens plus trop. Hein. Je suis out. Hein. Je suis out. Aïe 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 aïe. Quand tu es monté là-haut. C'est sérieux? Ok, une noix Korogu qu'on a jamais fait. Kubella. Ok, c'est là. Ici. Oh, attendez, tant que j'ai obligé de le glisser. Voilà. Dans une faille, tu m'as trouvé, noix Korogu. C'est un petit nerf d'ADN encore. Au goût, ça peut faire 1000 par être, beaucoup par très bonheur. À la revaillure.
Je suis en train de voir que la distance c'est pas folle. Mais je suis con, je me dis dans ma tête, il y a Babil qui va me pouvoir me. Oh putain. Oui, dans ma tête, je me suis dit, il y a Babil qui va. Et je vais pouvoir activer Babil pour aller sur l'autre côté, mais non. C'est vrai que ça ne marche pas comme ça. C'est là-bas en fait. Oh là là, comment tu as monté tout ça, toi? Concrètement, Zurich. Non, mais soyons réalistes, je sais pas comment tu veux que je monte tout ça, moi. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est chaud ça. Elle est là, la tour, voilà. Alors, ici, c'est des zones qu'on ne connaît pas, qu'on explorera tant et en heure, mais qu'on ne connaît pas, d'accord? Donc là, le but n'est pas de les explorer, c'est d'aller à la tour. Super. Merci. Mais non. Mais non, mais non. Le moyen plus simple aurait été par où? Je sais même pas. Ah, comme ça, moi, dans l'épisode prochain, on active la tour. Et après, on pourra passer à la grosse phase d'exploration en dehors du désert. Et puis après, on fera l'exploration du désert une fois qu'on aura fini la quête principale du désert, tout simplement. Entre guillemets, l'enquête régionale, si vous voulez savoir. Et je suis à poil. Il y a des corogues de partout, hein. Ça, c'est assez what the fuck, hein. Il y a des corogues de partout, hein. Son chien, c'est Stal Moblin. Nidando a vraiment assez abusé là-dessus. Ah, on va bientôt au sommet, après on s'arrêtera devant la tour, hein. On va pas l'activer aujourd'hui. On s'arrêtera devant. Ah, parce que toute cette zone, on l'a pas explorée du tout. Hein. Tic, tic. Et voilà, on y est. On y est. Bon, bah écoutez, on ira activer cette tour dans l'épisode prochain. Vous en dites quoi? Merci, salut Exodia sur Fortnite. On se retrouvera, merci les amis. Enfin, en tout cas, on va pas s'arrêter là. On se retrouvera pour l'épisode prochain dans lequel on activera cette tour, tout simplement. Ensuite, on explorera en dehors de la cité Gerudo. Enfin, en tout cas, du désert Gerudo, je veux dire. Donc, en dehors du désert Gerudo. Il y a encore du chemin, parce que dites-vous que, du coup, tout ça a l'air de pas appartenir au désert Gerudo. Donc, du coup, on a du chemin, on a même ça, voilà. Donc, on a tout ça à explorer, c'est quand même assez fou. Et du coup, ben voilà, merci de m'avoir suivi pour cet épisode, du coup, numéro 380. Et on se dit, eh ben, à l'épisode 381. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace!